Pour la dernière fois, où est-ce qu'on est dans le centre médical, donc, eh ben c'est parti, hein. Par contre, je suis en live là. Sur YouTube. Ouais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. Merde. D'abord, on pose un petit piège ici. Ouais, ça fait quand même 3 mois que je l'ai. Pourquoi on t'aime bien. Hein? Ah, bah ouais? Ouais, il mange là. Mais attends, tu aimes bien jouer Batman? Tu aimes bien jouer Batman? Jure? Ah, j'ai peut-être rencontré un de mes frères qui aime bien aussi jouer Batman. Arrêtez la chauve-souris ou je me chargerai de votre tension définitivement. Oh bah cool, si tu aimes bien jouer à Batman. Franchement, ça me fait plaisir que quelqu'un connaît enfin au moins un jeu de Batman, au moins. Parce que sur toute ma vie, tu vois, j'ai connu personne, mais personne qui connaît ce jeu. Je te jure. Ouais, mais dans toute ma vie, il n'y a personne qui connaissait ce jeu. Tous mes potes, ils disaient, ouais, c'est quoi ce jeu, c'est quoi, il est bien. Et toi, tu connais. Et je crois que ta première personne le patron a tout prévu. Et tu l'as déjà joué ou pas? Vous êtes en sécurité. J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rondes de nuit et la minute suivante, les malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Était-il accompagné par quelqu'un? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Ils ne voulaient manifestement pas être suivis. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devra aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Young est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien? On est sauf. Batman nous a sauvés. Mec. Ah oui, l'objectif c'est de sauver 3 médecins. Oh putain, je suis fou chier. N'oubliez pas, un patient heureux est un patient silencieux. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young, notre nouvelle directrice de recherche. Depuis qu'elle a rejoint notre équipe il y a 2 ans, Arkham est à la pointe de la recherche. Comment? Le projet de la
faites ça. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche sans la permission express du Joker, j'ai pour ordre de m'assurer que vous serez emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Des amis à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez choisi. Le Joker m'a-t-il spécifié? Pourquoi je peux pas lui parler? Je suis sûre qu'on peut régler ça. Madame, si je dois me répéter, je vais vous faire mal. Vous comprenez? Alors fermez-la. Si le patron veut... Mais s'il vous plaît! Ouais. Que se passe-t-il? Ils parlaient comme s'ils avaient le contrôle. C'est vrai que le Joker s'est échappé? Malheureusement, oui. Mais il ne restera pas libre longtemps. J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois après son évasion. Le directeur était très clair. Le Joker devait être guéri. Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire. Ce sera le cas d'Etsy. Attends. Mamir. Amir. 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 Oh, Khalid. Ah bon sang, j'ai failli oublier. Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement pour traquer les autres médecins. Pas d'inquiétude, docteur. Je vous ai sauvé d'abord et je vais maintenant fouiller les autres salles. Attendez là, c'est dangereux dehors. Ouais. Du personnel médical a encore besoin de mon aide. On joue en même temps. Je parie qu'il est violé. Que tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Nos découvertes ont conduit à nous demander si la psychose était en elle-même neurotoxique et si les changements potentiellement nuisibles pour le cerveau étaient liés à la durée des épisodes psychotiques. Le projet Titan nous permet de renforcer la capacité des individus à faire face à de tels changements. Nous avons eu les premiers résultats prometteurs. Mais ce n'est qu'après l'arrivée du patient X que nous avons tenté des revues à l'heure. Le patient X a été le précurseur conduisant à l'adoption à grande échelle du processus Titan. Nous devons tous remercier nos bienfaiteurs pour cette opportunité. Combien? Nous représentons toutes les spécialités médicales. Batman! Ne parlez pas, vous êtes sauf maintenant. Mais c'est un piège! Je sais, ce n'est juste pas pour moi. C'est vrai! Tu es vraiment le plus grand détective! Comment as-tu réussi, Batou? Oh, bon sang! Venez là, les gars! Voyons s'il peut détecter un J'ai essayé de vous le dire. Je ne pouvais pas parler. Du calme. Vous êtes sauf maintenant. Je peux m'occuper de ces misérables malfrats. Que tous les patients restent calmes et rejoignent tranquillement leur chambre. Je ne suis pas sûr de pouvoir garder un secret plus longtemps. Deux vieux amis vont venir à feu.
garde. L'un d'eux est terrifié à l'idée que tu partes sur les héros. Bon, le mec, il a un peu l'air. Wow, je l'ai fracassé contre le casier, le mec. Patron, c'est fait. Là, ça... Il est là. Gâche, que s'est-il passé? L'alarme a retenti dans le centre médical. J'ai entendu quelqu'un crier et trouver le docteur par terre. Quand je suis venu l'aider, la pièce a été remplie de gaz. Ses portes se sont verrouillées. On ne peut pas sortir. J'ignore combien de temps on pourra tenir. Quel courage! Donnons un coup de main à Monsieur Cash. Il pourrait en utiliser. Sortez-là! Joker a rempli la pièce de gaz et on est coincé dedans. Je peux rester assis là toute la nuit, mais le doc n'a pas l'air en grande forme. Batman, j'ignore si vous pouvez m'entendre. Le tableau montre que le ventilateur 1 est allé monter. Joker, c'est mort alors qu'il est. Le Joker n'a jamais parlé de cette partie du projet. Je ne peux pas laisser cet homme mourir. Je dois vider la salle du venin aussi vite que possible. Non. Ouais, hein, t'es un gangster. Vous les avez trouvés? Ils vont bien? Oui, ils sont saufs maintenant. Batman! On a un autre problème. Je dois aller au manoir. Toutes mes notes de recherche y sont. On ne peut pas risquer que le Joker mette la main dessus. Ce n'est pas un lieu sûr, docteur. L'île est une zone de guerre. Vous n'aurez aucune chance. C'est l'œuvre de ma vie. Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de... Je la ramènerai, Batman, si vous me le demandez. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. Je n'aime pas ça, mais... Qui a appelé l'ascenseur? C'était pas nous. Ça... Observation. Barricadez-vous dedans. Le patron dit qu'il est là-dedans. On se sépare. Jonas, t'es pas les combien, toi? 100. J'aime pas l'hôpital. Ça me fout tout. Ouais. Ah, t'inquiète, t'as encore 9 jours pour faire ton pass de combat. Ah non, 8 jours. Oh bah 8, alors. Attends, il y a mon chien qui est enfermé avec moi. Allez, va vivre une nouvelle vie. Est-ce que tu es à 99 joueurs? Est-ce que dans ton équipe il y en a 48?
seul. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chiot? Dimonne-lui, Batou. Ouh! C'était pour rire. Je te réserve quelque autre surprise. Prépare-toi à affronter. Quoi? Coute tes peurs. T'inquiète, pose moi les questions que tu veux. Ça me dérange pas. S'il vous plaît, aidez-moi, Batman. Non. Mais non. Et tu es quoi comme origine? Barbara. Je... Tu es quoi comme... Je suis désolé. Origine. Je suis arrivé trop tard. Ouais. Je suis désolé. Tu es marocain, j'ai... Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. En français et italien. Tu ne devrais pas être ici. Père, tu aurais dû lui résister, mon fils. Comme un homme. Maman? Aide-nous, Bruce. Ne nous laisse pas mourir.
Et attends, je dois t'expliquer. Oh, tu vois, cet après-midi, j'étais en 50 versus 50. Et puis, toute mon équipe a démoli tout Tilted. Il n'y avait plus rien. Et puis après, j'ai des grenades répulsives. Et ben, j'en ai jeté une sur un mec. Vous m'entendez, Bruce? Que se passe-t-il? Oracle, je vais bien. Bon, les mecs, c'était tout pour ce live et je vous dis à la prochaine partie.